J'ai découvert la France à l'âge de 11 ans. Et à l'époque, l'Albanie était un pays communiste extrêmement fermé et très différent de ce qu'il est actuellement. Disons que la différence entre l'Albanie et tout autre pays occidental à l'époque était plus grande que tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisqu'il n'y avait aucune communication possible. Enfin, il n'y avait rien qui pénétrait chez nous. Donc, vous imaginez qu'en arrivant en France, à ce moment-là, ça a été complètement étourdissant pour moi, déjà comme un saut dans le temps, dans une modernité complètement folle, et puis dans une vie autre, enfin à un tel point qu'on a vraiment du mal à se le représenter aujourd'hui. Il y a eu plusieurs étapes difficiles et douloureuses pour moi. Ce choc déjà de la différence. Ensuite, le fait de rester seul, puisque pendant plusieurs mois j'ai dû rester seul en France après avoir remporté le concours d'entrée au conservatoire. La troisième étape difficile, ça a été le moment de la fuite. Nous avons, moi et mes parents, eu l'occasion de nous retrouver tous les trois en France et là nous avons demandé l'asile politique. L'autre sujet douloureux, c'est le violon lui-même, parce que évidemment que dans ces conditions de tension extrême, moi j'avais 14 ans lorsque nous avons pris la décision de rester en France, en sacrifiant donc de nombreux membres de la famille en Albanie pour que je puisse me développer et poursuivre mon activité de concertiste. La responsabilité était très grande. Je me suis senti investi d'un poids considérable pendant toutes ces années. Il a fallu avec le temps faire un petit peu la part des choses. Et heureusement, la chance que nous avons eue, c'est que le régime politique communiste s'est effondré, comme partout ailleurs, quelques années après, ce que nous ne savions pas à l'époque où nous avons pris cette décision. Il y a un lien effectivement entre le travail de traducteur, d'écrivain, d'interprète, de transcripteur, de violoniste évidemment. Enfin, le premier lien, je dirais que c'est une certaine forme de solitude en fait. Si je suis devenu traducteur, c'est aussi parce que j'ai toujours eu le désir d'écrire. Évidemment, je n'ai jamais achevé une œuvre avant ce livre-là. Chaque fois que je tentais d'écrire quelque chose, ça restait inachevé parce que le violon, évidemment, prend beaucoup de place dans ma vie. Et puis, il suffisait d'un moment de découragement pour que je m'arrête en chemin. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été tenté par cette aventure d'écriture, parce que je me suis dit que pour une fois, je serais obligé, si je m'engage auprès d'un éditeur, de poursuivre le travail jusqu'au bout et d'achever vraiment la chose, ce que je suis très heureux d'avoir accompli. Vous êtes quand même un phénomène. Donc les téléspectateurs voient que vous parlez un français parfait. Vous devenez le traducteur d'Ismail Kadare, donc le grand écrivain albanais. Vous avez traduit avec son précédent traducteur, Youssouf Vrioni, son dernier ouvrage s'appelle « L'envol du migrateur ». Donc, c'est d'une audace folle de se dire, non seulement je maîtrise la musique, je maîtrise le violon, mais maintenant vous voulez maîtriser la langue française au point de pouvoir traduire le grand écrivain albanais. Il a été présent, comme dans la vie de tous les Albanais, dans la mienne également, par ses livres. Par ailleurs, il y a également le fait que l'univers que je décris dans mon livre, qui est celui de mon enfance, est un univers qui a été souvent décrit par Kadare, notamment dans les livres que j'ai traduits de lui. En fait, on pourrait dire que ce travail de passeur, en fait, est une constante dans ma vie, de même que le passage initial d'une culture à une autre, d'une langue à une autre, qu'a été ma venue en France, et le passage de l'Albanie à la France, donc, et de l'Albanais au français. Ça, c'est quelque chose, c'est un cheminement constant qu'on retrouve tout le temps dans ma vie.